Allô? Allô? J'ai failli me vautrer. J'ai touché ma chaise, elle roule trop vite. Le temps de m'asseoir, elle avait déjà fait 10 cm. J'ai cru que j'allais m'asseoir par terre et me péter un truc. Mais toi, bonjour à toutes et à tous. Bonjour YouTube, évidemment. Bienvenue sur Minecraft. Encore une fois, le jeu où nous empilons des cubes. C'est tout. J'ai pas plus d'intro que ça à vous faire. Normalement, YouTube, au moment où je fais ce stream, vous avez peut-être déjà le deuxième épisode sur YouTube, ce qui serait absolument incroyable. Ça vous ferait déjà en à peu près 24 heures, vous vous serez déjà bouffé. Ah bah ça y est, elle est là. Elle est là, elle est déjà là il y a 30 minutes. Donc vous vous êtes bouffé deux redifs de 2 heures en moins de 12 heures. Non, un peu plus de 12 heures, ouais. Je déconne, en 24 heures. En 24 heures, vous vous êtes bouffé, de redis de 2 heures. Bienvenue. Courage. Courage, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Courage, il y en a d'autres qui arrivent. Salut Dovi, salut Mindmax, salut. Non, j'espère que vous allez bien. Tiens, je vais en profiter, je vais mettre le chat à droite. Pif, paf, pouf, et zbleu. Voilà, chat à droite. Monte un peu le son de la musique. Ok. Tiens, faut que j'envoie un DM à Must. Ah, faut que je vous montre un truc. Attendez, avant de commencer pour de vrai, faut que je vous montre un truc sur Twitter. J'ai fait une tier list. J'ai fait une tier list. Une tier list sur FF14 pour mon taf. Regardez ça. Donc je fais ma tier list et sur la tier list j'écris: notre ranking est basé sur l'expérience personnelle de l'auteur, moi. 2. Comment est-ce que la classe elle est quand tu l'utilises tous les jours, et pour du casu, genre faire tes quêtes, aller faire des donjons. Comment est-ce que la classe elle est pour un débutant, à prendre en main. Et comment est-ce qu'elle est fun, ok? Premier commentaire qu'il y a sur le truc. C'est presque hystérique à quel point cette tier list est biaisée et peu précise. Mais du coup, t'as lu ce que j'écris au-dessus, gros fils de pute? Est-ce que t'as lu ce que j'ai écrit juste au-dessus, gros fils de pute? Je viens de te dire que c'était la tier list selon mon point de vue. Forcément que ça te plaît pas forcément. Ça m'a trigger. Et du coup, mon patron lui a répondu très gentiment. Et je mets ce screen sur Discord. Et mon patron écrit: ouais, les gens sont cons. il lui a répondu gentiment, mais ouais, non, les gens sont cons. Terrible histoire. Absolument catastrophique. Enfin, peu importe. Donc, hier, mesdames et messieurs, sur Minecraft, nous avions réussi à produire tout ça. Notamment plein de ressources différentes. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'était de faire du diamant, évidemment. Vive le diamant. Notre dernier arbre, en lice, c'est le tin que nous avons terminé juste à la fin du Stroham. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui aussi le setup en format yin et yang, parce que c'est incroyable et que ça marche bien. Donc on en a besoin de 64 comme ça et de 3 comme ça, parfait. Donc ça c'est fait. Maintenant tic tac tic tac. On récupère ça, on lui met ça, on récupère ça, et voilà. Ah, ne pas appuyer sur ce bouton. Oups. Faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Ne pas appuyer sur le bouton de tri. Faites pas ça parce que vous risquez d'avoir des problèmes de type tout récupérer dans votre inventaire.
Ce qui est en soi logique, mais qui m'emmerde. Mais c'est pas grave, du coup voilà, on gère du thym. On avait dit que tout ce qui était saplings et tout, on s'en foutait un petit peu tant qu'on en avait en rap d'avance. Et c'est le cas, on en a en rap d'avance, donc pas besoin de s'embêter. Ah, nous avions aussi une nouvelle source de bouffe. Et ça c'est incroyable, c'est avec les arbres en mithril, enfin en mainril, pardon. Les arbres en mithril. Les arbres, les mainril saplings là. Qui vous donne ça, ça se mange très vite et ça se mange plutôt bien puisque ça donne deux de bouffe et donc ça c'est beau. Alors on avait aussi automatisé le four tinker avec un setup qui nous permet d'avoir des... Ah putain, c'est ça qu'il me fallait. Il nous fallait du colorant gris. Il nous fallait du colorant gris. Et pour avoir du colorant gris, il nous fallait l'inévitable et l'inéluctable ink sap. Puisqu'il nous faut du colorant blanc et du colorant gris. C'est donc évidemment un problème majeur à partir du moment où on n'en a pas. Et du coup, on a mis ça pour faire spawn des slimos. Le problème, c'est que pour l'instant, je vois aucun slime qui a poussé. Alors, je sais plus s'il y a besoin d'une distance de sécurité pour le spawn des squids. Je ne sais plus s'il y a à un moment X ou Y parce que c'était pour faire du silver hein. Non, si, parce que là on a fait le tin. Non mais si, oui, voilà, non, pardon, j'ai dit du silver pour ça d'ailleurs. C'est du tin, hein. Pardon, j'ai dit silver, c'était tin, excusez-moi. Du coup, nous justement, on veut l'inverse, on veut le silver. Et pour faire le silver sapling, voilà, il nous faut du light gray. Et le light gray, soit c'est avec des fleurs qu'on peut pas faire pousser parce qu'on n'arrive pas. Soit c'est avec du colorant... du colorant gris en fait. Et pour ça, faut du pulverized coal, mais on n'a pas de pulverized coal. Ah mais... Ah non mais ça marche avec le pulverized coal. Ah mais je me suis menti tout seul hier en fait. Ah très bien, non mais je me suis menti tout seul. Mais écoutez pas en fait, c'est pour toi bien. On s'encarre le cul. Voilà. Je me suis menti tout seul. Ça me paraissait bizarre aussi, hein, mais je me suis menti. I have menti tout moi-même. Il faudrait que tu fasses tomber l'eau de très haut sur ta plateforme. Ouais, ou alors que je fasse une plateforme en bas. C'est ce que je pensais à l'instant, c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir à est-ce que les angel blocks étaient faisables ou pas. Mais j'ai abandonné l'idée. Mais du coup, non, c'est bon. Parce qu'on peut faire une presse. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Non, c'est un squeezer, hein, je crois, un truc comme ça. Squeezer. Parfait. Et donc là, on peut faire du pulverized coal. Nice. Les corps sont bien rangés, hein, c'est insane. Profitez-en, ça durera peut-être pas. Alors, ah, mais par contre, il me faut un charbon entier pour ça. On doit avoir de quoi faire un charbon entier là-dedans, j'en suis persuadé, oui. Tac. Paf, la pastèque. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Oui. Et on range. Ok. Donc maintenant, on pose notre A. Pas là. Du coup, pas là. On va le poser là, juste là. À côté de l'autre truc qui fait pareil. Enfin, pareil. Pas vraiment pareil. Mais... Voilà. Et donc là. Zbleu. S'il te plaît, t'envole pas à perpète. Ah, ça l'a mis dans cet inventaire là. C'est rigolo. Ah mais oui, il faut un signal de redstone pour le faire remonter. Flemme. Très bien. Donc on a notre color noir. C'est tout ce qu'il fallait, on s'en fout. Il me faut un bon mille. Évidemment j'en ai plus. Par contre on a des bonnes saplings. Non, ça c'est sand sapling, ça c'est des bonnes saplings. On va se remettre... Petite bonne sapling. Non. Hop là. Bonsoir, c'est assez grand, j'espère que vous allez bien. J'ai tout pris s'il me fallait. Ah. Ok, donc là on a du grey. Ah oui, il me faut du light grey. Donc il me refaut de la bonne mine. Mais normalement là on devrait avoir ce qu'il faut en termes de... J'imagine qu'on a ce qu'il faut là pour en faire. Oui, voilà. Un petit peu de bonne mine là.
Là, on discute, là. Là, on discute. Et paf, Lightway, nice. Et donc, il me fallait du Lightway pour faire le silver, du coup, évidemment. Hop, silver. Et du coup, le silver, c'était... Hop, là. Silver, c'est aussi quand t'es mauvais sur LoL, mais c'est un autre problème. Je dis ça, hein, pour l'instant, je suis silver cette saison, j'ai pas assez joué. Petrified, Tin et Lead. Alors, Petrified, Tin. C'est ce game où il en fallait 4. J'ai encore pas regardé. Je suis incorrigible. 4 Petrified. Ok. Et ensuite, du Tin. Next. Maintenant, on fait ça. Yay. J'ai toujours pas descendu le système. Ah, mais non, on avait dit qu'on le descendrait pas plus que ça. Nous avions dit que nous ne le descendrions pas plus que ça. Ah oui, on a non plus de lave. Alors vous savez ce que ça veut dire. Hein. S'il n'y a plus de lave, il faut refaire de la lave. Et vous savez comment on refait de la lave. Ça... Vous savez comment on fait de la lave à la maison. Faites pas ça chez vous. Ah, un problème de type... Aïe, aïe, aïe. Ah, ça me cuit vapeur. Énorme. Petite cuisson vapeur. Petit chaudron cuisson vapeur. Et bah yes. Voilà, faites pas ça chez vous, c'est dangereux. On va faire un petit peu d'avance. L'avantage que ça a, c'est que c'est instantané pour faire la lave. On n'a pas à attendre. Ce qui est très appréciable quand d'habitude c'est un peu long. Voilà. Tout va bien, pas d'incendie. Bonne majeure du moins. Oui. Mais alors du coup là, est-ce qu'il reste de l'iron là-dedans? Non, c'est bon. Ok, je peux mettre mon silver. Je vais attendre juste que l'iron s'en aille. Oh, quoi que ça devrait aller. Le temps de cuisson devrait coïncider avec le temps qui me manque pour vider ça. Parce que du coup, ce serait très chiant que ça fasse un alliage. C'était quel pouce? Du oak, hein, je crois, de toute mémoire. Il me semble que c'était du oak. Non, c'était la main reel, ok. C'était la main reel, donc classique. Ouh. Plus on faisait une plaque. Ah non, on peut pas faire de plaque, je crois. Désolé. Et paf. Et votre silver sapling, mesdames et messieurs. Yay. Alors, on va juste en duplicer. En décuple. Non, faut que j'arrête décupler, on avait dit, hein. Multiplier. Ok. Hop là. Ah bah, elle s'est pas multipliée. Elle s'est pas multipliée, elle en a donné. J'ai envie de mourir. Le twerk. Ah non, mais si tu continues à en donner qu'une, par contre, ça va être très chiant. Faudrait une hache un jour. Promis, on fera une hache. On commencera à faire des outils quand on aura des diamants. On pourra ne pas être... Je sais pas ce qui fait trembler l'immeuble, mais il y a... Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un sèche-linge ou une machine à laver très énervé. Et il y a des fois, tu sais pas pourquoi, t'as les murs et les fenêtres qui tremblent et t'en vas. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est juste très très énervé sur le... Avec son sèche-linge et son... Ah, on peut mettre l'iron là-haut d'ailleurs. Hop là. Et du coup maintenant idéalement il nous faut du coup planter du silver dans un des arbres. Et il nous faut... Non, on va les garder ça en vrai. Mais il est parti où le silver? Enfin le silver là. On va les garder parce que comme ça on pourra set up le chest là-bas. Il nous faut juste de la clé. Je sais pas si c'est Jackie Michel qui font un tournage à côté, mais c'est un enfer en tout cas. Je ne sais pas ce qui cause ces tremblements de terre. C'est pas non plus des tremblements de terre, mais c'est tremblements d'appartement, mais c'est quelque chose en tout cas. Salut le terre, comment tu vas? Le terre il arrive, on parle de Jackie Michel, super. Bien joué. Bien joué. De toute façon, il faut cuire tout parce que.
Faut tout cuire parce que dans tous les cas, on aura besoin de clé après pour celui en diamant. Donc ça revient exactement au même. On va prendre ça pour faire un coffre. Enfin, un hopper. C'est moi, il pleut sur la moitié de mon île seulement là. Non, c'est moi, il pleut partout. Non, c'est bon, il fait dégueulasse absolument partout. Tout va bien. Merci beaucoup, Scarthur, pour le follow. Bienvenue, merci beaucoup. Et je vous jure, je sais pas ce qui cause ces tremblements, mais. Mais y'a un truc. Allez, le dernier. Alors maintenant, hop. Est-ce qu'il nous reste du mulch? Non. Il faut recrafter du mulch. Recraftons du mulch. Ok. Et paf, du mulch. Parfait. Du coup, maintenant, on peut aller là. Alors, on va juste... comment on va faire ça? Alors, attendez. On va faire silver, silver. Tin, tin. Tin, tin. Silver, silver. Et ensuite, silver, silver, tin, 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 silver. Pourquoi pas? On va juste amasser les deux. Comme ça, silver et tin, tin. D'accord, pas de bois, feuilles. Non, le bois, on s'en carre le cul et les feuilles aussi. Parce que les feuilles c'est toutes les mêmes, elles font toutes les mêmes choses. Et le bois... Le bois, on en produit là-dedans. Et on en produit là, enfin... On est tranquille quoi. Le bois ATM, c'est pas vraiment un problème. Sapling, j'en ai toujours en multipliant avant de le mettre dans la machine. Par contre BX, t'as pas fait un hopper, non. T'es un con en fait. Ça bug pas s'il y a trop de bois? Non. Puisque les bonsai pots fonctionnent d'une façon qui fait que tant qu'il y a de la place, il continuera de produire. Et s'il n'y a pas de place pour stocker un truc en particulier, il continue de produire le reste jusqu'à que ce soit full. C'est pour ça que je mets un exemplaire de chaque. Ce qui fait que, regarde, là, par exemple, le bois est full depuis Perlimpinpin. Par contre, il continue de générer du reste. Parce qu'il reste de la place pour le reste. Et quand les glands seront pleins, bah, il continuera de produire de la résine, parce que vraisemblablement, il produit plus vite les glands que la résine. Tout comme quand tout ça sera plein partout, il continuera de produire des cold pieces, parce qu'il reste de la place pour les cold pieces. D'ailleurs, les feuilles, on a jugé qu'on s'en carrait le cul, et les saplings, on a jugé qu'on s'en carrait le cul aussi, maintenant. Donc... On fait ça comme ça, et du coup plus de cold piece. Parce qu'on a décidé qu'on s'en carrait le cul. Par contre, on a peut-être envie d'avoir un peu plus d'iron quand même. Donc on va prendre une colonne. Et remettre une colonne de gland d'iron. Parce que l'iron est nécessaire. Salut le docteur Eleven, salut Light, salut celles qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous toutes et tous. Tranquille, petit stream Minecraft, chill détente comme d'hab. Ouais, chez la famille quoi. C'est vraiment fun comme modpack, c'est rigolo. Alors par contre, pour être tout à fait honnête avec vous, il est rigolo, mais il n'y a pas 600 mods.
Ça veut dire qu'au niveau des options, il y a certaines fois où on va être obligé de faire des modes pourris du cul. Parce qu'il n'y a pas de choix. Pourris du cul. Ça... Juste le nez qui me chatouille. Ah. Donc maintenant qu'on a setup tout ça, hop là. Et donc là on va commencer à générer du silver. Ça c'est insane. Vivement l'hiver qui est moins de pollen. Ah bah ça pour le coup, vivement l'hiver tout court. Qui passe plus de 40 degrés. Donc on a les diamants là. Les diamants là. Les diamants. Le diamant c'est gold résine, on a. Lapis résine, on a. Silver résine, on a. Redstone sapling. On a. Donc mesdames et messieurs. C'est parti pour l'estonce. Les gigastonces. Et donc là, normalement, paf, la pastèque, diamond sapling. Ah, this tree is forever, on nous dit... On nous dit l'achievement. Et bah yes. On a déjà 10 glands. Et de la résine. C'est juste parti. Vous n'avez jamais été autant heureux de produire de la résine. C'est pas de la résine illégale. Celle-ci est légale, mesdames et messieurs. Sauf si dans votre. Si, sauf si dans la loi c'est écrit, je sais pas. Ça se trouve, vous vivez dans un état américain un peu bizarre. Où les mecs qui ont fait la constitution, enfin la loi là-bas s'est dit on va les empêcher de générer de l'argent sur des arbres, on sait jamais que quelqu'un trouve la technique plus tard. Et du coup c'était interdit dans votre état si vous êtes aux US et que vous êtes dans un état chelou. Sinon il y a peu de chances que vous ayez l'interdiction de faire pousser les diamants. Donc n'hésitez pas à reproduire ça chez vous. Si vous pouvez faire pousser les diamants sur les arbres, je vais peut-être changer de métier quoi. Vous êtes arrêté d'être journaliste, je vais peut-être devenir... Peut-être devenir bois culteur, moi. Peut-être se mettre à farmer du bois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît être un bon taf. Petite usine à... Non, c'est pas avec la résine. Et du coup, la résine de ça, sert à quoi, globalement? À part à faire ça, qui sert à faire des diamants liquides. À rien, on est d'accord, on s'en carre le cul du coup de la résine, en réalité. Parce que je fais quoi avec du diamant liquide? Du molten art carbone. Ouais, bon, c'est très niche quand même. Après, oui, je peux faire du diamant, mais 1, ça donne 1. De toute façon. Oui, ça donne 1, ça donne 1, donc on s'en carre le... Enfin, non, attendez. Est-ce qu'avec l'ambre, ça donne plus? Ça donne une nugget, on s'en fout, ça aussi. Et on peut pas faire cuire l'ambre? On peut pas faire cuire l'ambre. C'est que dans le melter, l'ambre. Ah oui, donc on s'en... On s'en carre, mais le fion d'une violence. Ah oui, non mais d'accord, on s'en art tapine le fion, en fait, de la résine de diamant. Le seul truc qui nous intéresse, c'est la corne, quoi. Enfin, le gland, évidemment. C'est vraiment pas mal, cette bouffe, hein.
quoi qu'on dise, cette bouffe-là, c'est pas mal. Hein. On va rester là-dessus. Ça a l'air d'être plutôt efficace. Okay. Donc. Et d'ailleurs, Lighto, hein, je sais que tu fais le modpack de ton côté. Si t'avais besoin de bouffe, tu viens de voir la technique ultime pour générer de la bouffe. Hein. Il n'y a que la corne du gland qui nous intéresse. Évidemment, la corne du gland, tout à fait. Presse X, tu peux pas comprendre ce qu'il vient de se dire. Et du coup, il nous manque combien de clairs? 2. Hop là, 2. D'ailleurs, vous savez que c'était September et que vous pouvez sub pour moins cher et ne pas avoir vos emotes parce que Twitch galère à les activer. Je suis super vénère. En vrai, ça me casse les couilles de ouf. J'espère vraiment avoir une réponse lundi ou les avoir lundi, mais bougez-vous le fion, quoi, je vous en prie. D'où la vérification des emotes de Twitch, c'est si long, quoi. En train de vérifier les emotes, j'ai l'impression d'être, tu sais, d'être à l'aéroport et qu'on est en train de checker mon passeport. Je vous en prie, les gars. Vous n'avez pas de me demander mes empreintes digitales pour un peu de biométrie pour savoir si les emotes elles sont pas terroristes aussi. Ça dégoûte. Franchement, ça dégoûte. Moi je suis là, mes emotes elles sont toutes mignonnes et ils mettent 20 ans à les activer et du coup, ils me refont un coffre. Et du coup, avec ça, mesdames et messieurs, nous produisons du diamant. Alors, le sol spécial qu'on met dedans, c'est du sol qui accélère la pousse du diamant. Pas du diamant, de tout. Ça accélère de 142% de la pousse. Ce qui veut évidemment dire que nous produisons plus vite nos ressources. Et produire les ressources plus vite, bah, stonks, en fait. Tout simplement. Je vais en garder en rab, on sait jamais que ça sert à quelque chose. Je vais en garder que 2, je pense. Le reste, on va mettre du gland. Le seul truc qui nous intéresse, c'est le gland. Je vais mettre ça juste en attendant. Pour pas avoir besoin de rester dedans là comme un clampin et le regarder s'emplir. Parce qu'on a autre chose à foutre. En réalité, on a autre chose à foutre quand même. Non, on pourrait mettre une putain de feuille, c'est pareil, celle-là, ça va faire de la place dans l'inventaire, là. On ramasse trop de trucs, on n'utilise pas assez, tout va bien. Donc on génère du diamant, enfin, on est en cours de générer du diamant. Et ça va nous servir à plein de trucs, et notamment, Projecto Applied-O, que j'ai vraiment envie de commencer, mais qui, du coup, bah, il faut du courant, déjà, pour faire Applied-O. Et du coup, pour faire du courant, bah, va falloir se mettre sur Mechanism ou autre. Je sais pas si on a des solar panels ou quoi, on a quoi comme solar panel? Ah, c'est un peu de la merde quoi. On a ceux de mécanisme et le reste c'est un peu du caca. On pourrait brûler du bois pour faire de l'électricité. La seule chose c'est est-ce que notre apport en bois est suffisant avec les bonsai hopper ou est-ce qu'on ne va pas assez vite? Parce qu'on peut en réalité sûrement pour ça. Je peux être modo? Non. On génère sûrement pas assez de bois. Pour... Ah oh, peut-être en fait, je ne sais pas, en fait là c'est ça la question, c'est est-ce que... Déjà qu'est-ce qu'on a comme générateur? Déjà dans un premier temps qu'est-ce qu'on a comme générateur? Pas grand chose. Je peux ne pas être modo, tu peux ne pas être modo. Kenzosh par contre je peux te ban live si tu veux. Comme tu préfères. Et après là ces générateurs là... Mais j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Ouais, ça va être légèrement pareil que upgradable soul generator. Okay. Simple geothermal generator. Okay. Simple fluid combustion. Simple turbine. Ouais. Bah, autant partir sur mécanisme direct, quoi. Il génère... Ah, c'est celui qui est juste à mettre à côté de la lave, non?
Passage générateur that use the heat of lava or other burnable resources to produce energy. Ah non, peut-être juste n'importe quoi. En fait, peut-être celui où tu peux mettre du charbon dedans. Tu peux mettre du charbon, celui-là ? Solar générateur, gas burning générateur et biogénérateur. Ouais. On va essayer de faire ça, du coup. Ah, mais il faut de l'osmium. C'est vrai que si on veut démarrer mécanisme, il faut de l'osmium. Comment on fait ? Comment on fait ? Pourquoi j'ai l'impression que c'est de la bite en bois encore ? Pourquoi j'ai cette impression que ça va pas me plaire ? J'ai rien dit, ça me plaît beaucoup. J'adore ça. J'ai rien dit. Ça me plaît beaucoup, j'adore ça. Tout va bien. Tout va bien, il y a une sapling d'osmium. Tout est bon. Non mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a une sapling d'osmium, mesdames et messieurs. Tout va bien. Mais du coup, il me faut une osmium humber pour faire une osmium sapling. If I had to guess, oui. Donc c'est une sapling de... Bah yes, il va falloir refaire full sapling. Oh non, me dis pas que c'est chiant à mourir à faire une sapling d'osmium. Osmium. Oh putain. Iron, quartz et copper. Oh ! Ah, et nickel. Oh ! Oh ! C'est pas correct, hein. Oh non ! Oh ! Oh, c'est chiant, hein. Oh merde ! Ah bah super ! Ouais. Alors, copper résine. Ah, pourquoi je sens que ça va être de la merde? Pétrifiée, clay et sand. Avec du red. Non, n'importe quel sap, ça passe. Non, mais n'importe quel sap, ça passe. Non, mais n'importe quel sap, ça passe. Non, mais n'importe quel sap, ça passe. Ok, non, c'est bon, ça va. Hein? Ah! Oh! Hein? Oh! Hein? Oh! Ah, ça marche avec des redstone? Je crois que j'ai une fleur anyway. Non, mais j'ai une fleur anyway. He's ok. Ok, donc le copper, c'est bon. Tout va bien. La quartz sap. Allô? Quoi? Allô? Ah merde! Hein? Oh! Pas de slime, moi. J'ai pas de slime, moi. Ouais. En fait, la réalité de la chose, c'est... J'ai pas de slime, moi. Allô? Pas de slime, moi. Faut que j'aille dans la Hunting Dimension, c'est là qu'on est en train de m'annoncer. Déjà, faut des poulets. Déjà, faut des poulets pour les plumes. Première étape. Ensuite, faut un œuf. Donc, faut qu'un poulet veuille bien nous chier un œuf avant qu'on le bute. Super. Ensuite, faut des vaches pour le lait. Il faut que la canne à sucre pousse. Et faut qu'on plante du wheat. Et vous voulez pas aller niquer vos mères? Sinon, ça vous dit pas? Ça vous dit pas? Est-ce qu'il y a des slimes dans la Twilight? Oui, tu peux faire pousser des mobs, oui. Ça, c'est pas... Le problème est pas là. Ça... Ah, la slime seed.
Et bah nique ta mère. Il y a les chicken seeds. Ouais, 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 non, mais ça, bien sûr. De toute façon, les mobs, je comptais bien les faire spawn comme ça, mais. Il y a des saplings de stack. Ouais, 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 ouais. C'est pas le. Ça, c'est pas le problème. C'est. Tous les animaux existent en seed, là. Elles sont toutes là. Mais. Pour les slimes, il faut un slime. Mais est-ce que pour aller dans la Twilight, il faut pas juste des fleurs et un diamant dans de l'eau? Je crois que le portail, c'est ça. C'est un 2 par 2. Peut-être un seau de lait dans un barrel d'eau. Ah, pour faire du slime. Oh, t'as de l'espoir de ouf, mec. T'as de l'espoir. C'est très, c'était très tentant. Mais jamais. Attends. Je peux faire ça avec du coagulate blood? Attendez, il y a... Il y a une... Il y a une vie. Il y a une vie. Il y a une vie, regardez ce qu'on fait. On fait un four tinker. On se brûle dedans. Une fois qu'on s'est assez brûlé, on fait un bloc de slime avec du sang. Et on retransforme le sang, enfin le bloc de slime de sang, en slime normal, parce que quand tu transformes le slime black, ça te donne un slime ball. Il y a une galaxie où on fait ça. Faut se brûler genre 15 fois. Faut mourir en plus, ou c'est juste prendre 15 sticks de dégâts? Je crois que j'ai la réponse et que ça va pas me plaire. Je crois qu'il faut... Je crois qu'il faut s'ouvrir les veines et bien bien crever. Non, pas besoin de mourir. Ouais, non, enfin je veux dire, est-ce qu'il faut vider 15 barres de... C'est chômage, est-ce qu'il faut vider 15 barres d'HP, quoi? C'est ça, le... Non mais sinon, est-ce que ça spawn dans la Twilight, les mobs? Enfin, les slimes. Est-ce que je peux avoir des slimes dans la Twilight? Parce que le gâteau, ça m'emmerde. Le gâteau m'emmerde fondamentalement, en fait. Yes, ça spawn. Parce que la Twilight, au final. Est-ce que ce serait pas la solution? Ouais, du diamant, hein. Je crois que c'est 3 PV pour une boule de slime. Mais attendez, parce que de toute façon, il nous faut de la cirée de brique. Et tout le bordel, là. Et du coup, faut du groot. Hein, y a pas le craft? Ah si. Je suis trop con. Tout va bien. Ouais, on va y tester la Twilight, vous savez quoi? C'est quoi? C'est juste des fleurs avec de l'eau? Et le portail, il est en dirt? Un truc comme ça. Ouais, par contre, si on va dans la Twilight, enfin, c'est honteux. Salut YouTube, on va dans la Twilight. Hein. Crever de mer et jeter un diamant. Oui, jeter un diamant. Oui, c'était ça. C'était pour ça que j'ai dit qu'on avait du diamant. Quoi. Prendre la moitié de chaque là. Prendre de l'eau là. Canne à sucre pas encore poussé. Hein. C'est long hein, la canne à sucre. Hein. On va le faire temporairement. Oh putain, je sens qu'il sera jamais temporaire. Je sens que là, je vous dis qu'il est temporaire, mais je sens qu'on est parti pour le garder celui-là. Ah mais j'ai l'air super malin là, Julien. T'es trop con, tu fais comment toi? Brutix. Il a dit temporaire. Ouais, non, mais on sait tous qu'il sera jamais temporaire, mais. Très bien. Faut les coins ou pas? Coin, coin. Si seulement il y a mon emote. Et on va se dire qu'il faut les coins.
Ah non, on s'en fout de ça, on avait dit. Oui, d'ailleurs, on a dit qu'on s'en foutait et il est temps de réduire l'emplacement que ça prend. Tu peux arrêter de mettre de la merde? Voilà, allez, on s'en met deux pour le plaisir, mais c'est pas possible. Oui, mais à la base, moi, je voulais gratter un diamant. Yay! Notre premier diamant, mesdames et messieurs, il est là! Yay! 3 to diamonds! 2 diamonds, d'ailleurs. Peut-être faire une armure, non? Vous savez, je pense que ma théorie c'est qu'il faut qu'il y ait du gazon en dessous. Ma théorie c'est que ça doit être du gazon sur du gazon. This is only my theory, but I think my theory is a good one. Par contre, c'est moi où ils ont augmenté la taille du... J'ai l'impression d'avoir presque un magnet. C'est peut-être que dans ma tête, hein, mais j'ai l'impression d'avoir un magnet. D'ailleurs, je suis passé level 80 en pêche sur FF14, hein. Donc le pognon matin, ça va être incroyable. Merci beaucoup, Annie. Oh, il y a trop de lettres. Annie, merci beaucoup pour le follow. Désolé d'écorcher ton pseudo. Mais merci beaucoup. Je pense à faire un set home. Je pense qu'on va être déçus. Ouais, quand on n'existe pas. As expected. Il y a pas le slash spawn, donc le slash set home, c'était quasiment couru d'avance. Un jour, on fera une petite sapling pour avoir de la ficelle pour faire un lit. C'est presque promis. Ah, putain, je m'attendais pas à ce qu'il marche. J'étais en mode, ah, il a pas marché, dommage. Oh. Oh. Allô? Allô? Ah, ça... Ah! Merci pour le Overworld Cake. Allô? Allô? Ah, du diamant là-bas. Alors, il y a du diamant. Il y a du charbon. Il y a de l'or, de la redstone. Des cristaux d'astral. Je crois que c'est du... C'est du boron, ça? Ah, si c'est du boron, il nous le faut absolument. Peut-être de l'osmium, hein. Eh, peut-être de l'osmium, hein. Putain, je cherchais des blocs, je reviens. C'est que t'as pas assez twerké. J'ai pas assez twerké, du coup, il a spawn comme ça. Bon, par contre, la zone va être forcément très hostile, il y a un labyrinthe dessus. Ça peut pas bien se passer. Ah, notre super portail, très joli au milieu de la base, hein. J'ai trop hâte. Mais c'est pas grave, il est temporaire. Là, si vous voulez faire un donjon, les gars, si vous voulez du bois aussi. Hein. Encore un hélicoptère. Hein. Mais quand je vous dis, vous savez que quand on aura... Je pense que les sub tier 3, je vais mettre une emote hélicoptère. Je pense que les sub tier 3, ils vont avoir une emote hélicoptère. Parce que j'en peux plus. Vous vous rendez compte du nombre d'hélicoptères qui passent chez moi quotidiennement? Je crois que vous vous rendez pas compte. Il y a un cake pour la Twilight. Ah ouais. Bah, nous voilà arrivés. Alors, ça va sûrement être très dangereux. Je crois que l'extérieur est peut-être pas dangereux. Salut.
ginseng. On va faire de la monster. On va faire des boissons énergisantes en ginseng. Insane. Ok. Bon, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, mais en fait j'ai un titre que je pourrais pas éliminer parce que j'ai pas de pioche. Du coup faut juste qu'on aille chercher une pioche. Enfin qu'on fasse une pioche en diamant quoi. Allô. Suis les photos sur Facebook. C'est ceux qui ont pas le même reboot. Fait. On fait une pioche en diamant. Putain, la richesse, ça y est. Ça y est, les gens, c'est là, c'est les stones. On a ce qu'il faut. Ah là là, pioche en. Désolé, petite pioche en bois, tu nous auras bien servi. But now we need everything. Ça se trouve, vous imaginez que si j'avais utilisé le kite de la Twilight pour aller dans la Twilight, ça aurait pas été comme ça? Ça se trouve si t'es pas sur la. Ça se trouve si tu utilises le gâteau, ça spawn correctement. Il va faire tout noir. Alors nous arborons les côtés de ce truc. Alors, qu'on vienne pas me chier dessus en mode BX Hackit, tu triches. J'en ai rien à carrer. On est censé aller dans la Twilight. Alors on est censé pouvoir miner dedans aussi. Donc, j'ai pas de mal à ce que je fais. Je suis dans les règles. I am in the clue. Mais tu triches, bad life. Moi j'ai aucun scrupule à bannir les subs. Encore plus quand c'est des subs qui ont été gift. On vous voit. Ça marche bien. Tout était calculé. Il y en a des trucs, mais est-ce qu'il y a du boron, du titanium? Est-ce que le boron peut spawn dans cette dimension? Peut-être plus bas. Oh non, je m'en carre le cul. Alors, je vais les prendre, mais je m'en... Bah non, en fait, du coup. Putain, mais on n'a pas de poubelle dans cet inventaire. Oh! Modpack fait la sauce avec des arbres. Mais ça quitte. Fuck it. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que... Dans tous les cas... dans tous les cas, t'es censé pouvoir y aller. Par contre, le gros avantage que ça me donne, c'est que derrière... Salut quoi, là, bonjour, Kiko. Le gros avantage que ça me donne, c'est que quand je voudrais faire un arbre en je sais pas quoi, ça se trouve, j'aurais déjà miné la ressource et j'aurais juste à la faire fondre. Et en la faisant fondre, eh ben, je fais l'arbre direct et je passe pas par l'étape faire les résines des autres arbres de merde. Ce qui fait que là, par exemple, si je pouvais trouver du nickel... Bah ce serait sans mauvais jeu de mots vraiment nickel. Puisque je pourrais faire ce que je veux et je m'en carre le fion en fait. C'est quoi les rock crystals? C'est du astral. Hilarant, merci beaucoup. Vous savez ce qui est hilarant? C'est quand hier je me suis pointé dans le solo de MHGU et que j'ai quadra shot à peu près le Macao. C'était insane. Putain, c'est dangereux ça! Faites pas ça chez vous, hein! Alors, essayez de pas faire ça chez vous, en effet! En effet, ne vous pointez. Petit lapin! Ne vous pointez pas sur. Dans une dimension vide, avec juste un labyrinthe chelou et des mobs. Si un zombac me tombe dessus, ça va très mal se passer.
Vous savez que ça va très mal se passer. Vous savez, tout comme moi, que cette histoire va évidemment très mal finir. Alors vous le savez. Non mais vous le sentez. Vous sentez que ça pue du sgeg quand même un peu. Oh, du boron. Du boron. Oh, quel plaisir. Your boron me. S'appelle l'achievement. Oh, le boron. Y'a pas du nickel? Parce que s'il pouvait y avoir du nickel aussi. Pourquoi on avait besoin de boron? Ah oui, pour faire les plates. Oh ouais, quel plaisir. Oh oui, le boron qui nous met dans une sauce là, du coup, on est bien. Quel plaisir, la Twilight, vraiment la meilleure dimension du jeu. Vous savez que j'adore ça en plus, la Twilight. Hein. C'est connu historiquement, j'adore cette dimension. C'est connu. I'm loving it, comme dirait une certaine chaîne de restauration rapide. On va ramasser de l'or, on s'en perd le cul. Alors je pourrais aussi miner à l'intérieur, hein, ça marche bien aussi. J'ai pas beaucoup de torches. Oh, par contre le boron ça nous met bien. Enfin par contre à la base j'étais pas là pour ça. Enfin, après on n'est pas là pour miner hein. Son quart le cul en vrai. On viendra miner plus tard. On détruira cette zone plus tard. Later. J'étais là pour des slimes moi à la base. Ah mais j'ai jeté toute ma cobble, je suis un peu un abruti. Coup de Weimer sous les pieds là. Yes. Ah et non, du coup, Weimer dans cette zone est très dangereux. Faites pas ça chez vous. Hein. Ne tentez pas IRL d'aller dans une autre dimension avec juste des arbres et un labyrinthe et une tour bizarre et de mettre des coups de Weimer sous vos pieds. C'est dangereux. Oh, des moutes. Mais du coup, on pourrait avoir. On pourrait avoir de la laine. Sans se faire chier comme prévu. Ah! Elle était petite et dégueulasse. Elle m'a fait très peur. Il y en a plein en plus. Elle est petite, immonde et elles ont l'air nombreuses. Chef. Je vous ai déjà dit que je détestais les labyrinthes. Ah, du cactus, de la ficelle. Des shears! J'ai besoin de shears. Des ficelles. Oui! Les petits bruits dégueulasses. Passer par au-dessus, encore eux que je joue avec le son. Il te faudra 16 laines de couleur. Ah ouais. Moi les araignées ça me fait pas peur, ça me dégoûte juste très fort. J'ai juste un profond dégoût pour les araignées. C'est pas un problème d'avoir peur. C'est un problème de ça à 8 pattes et 22 yeux quoi. Plutôt ça le vrai problème. J'avais vu les boulets tomber un sanglier. Mais non, mais c'est pas ça, c'est parce que des fois les mobs ont des loots spéciaux à la Shears. Par exemple, avec certains mods, tu peux récupérer des plumes sur les poulets juste avec les Shears. Shears, hein, parce que si vous pensez Shears, rien à voir. Shears, c'est quand t'applaudis un concours ou un truc comme ça. Rien à voir.
car les cuits tout ça, quoi, bonne même. Ça va, celles-là, elles sont relativement dégueulasses, mais comparé à l'autre mode de mort où on était sous terre, là. Oh, le blé que j'aurais pas besoin de crafter. Cherche quoi, d'ailleurs? Non, mais attendez, qu'est-ce que je cherche? Non, parce que le truc, c'est qu'à tout moment... Merde. Tout moment, je m'en bats les couilles, en fait. Oui, mais attendez, J. J, voilà. Et des arbres qui gênent notre triche. T'as pu couper ses défenses avec les cisailles, pas sûr que ça ne va pas. Mais du coup, on cherche quoi dans un labyrinthe de Twilight? Ouais. Apparemment, à s'euthanasier tout seul dans un mur. Ouais. Apparemment, à se faire quelque chose dans un mur, mais... Aïe! Ah ouais, ne pas essayer de casser le mur. Sinon, vous prenez tarif dans le fion. Aïe! D'accord, très bien, je tricherai pas! Un coffre là-bas. Mais on cherche quelque chose dans les toilettes de toilette ou... Non, mais attendez. Attendez, parce qu'ils m'ont pris pour un con là. Non mais ils sont vraiment trop cons. Non mais les mecs qu'on connaît ce mode, ils sont trop cons. Bah ouais, j'ai pas le droit de marcher dessus. Oui, bah c'est pas grave, je marche pas dessus. Non mais les gars, vous êtes trop cons. Bon, attention. 1v1. Vous voyez pourquoi c'est important de prendre le high ground dans les FPS? Elle a fait une baiser. Bon, on cherche quoi là? Dans un labyrinthe de Twilight? Toujours pas eu ma réponse. Immonde fils de pute. Merci beaucoup pour la fausse donation. De rien pour le vrai ban. Ouais, non, on s'en parlait. De base, t'es venu pour un slime, c'est vrai. On n'a pas eu de slime. Les slimes ont pas spawn. Ah, bélier. Plein de béliers. C'est où ces arbres ils ont poussé? Olive wood. Point 9. Je peux te traire ta mère? Je peux pas traire ta mère. Point 9. J'attendrai ce que je... On me regarde pas comme ça, point 9. Quoi, t'es gêné parce que je te regarde? Tu veux pas que je te regarde pondre, c'est ça? Très bien, je tourne la tête. C'est bon, t'as pondu? Pourquoi j'ai besoin d'un œuf? Bah, vu que ça a pas... Merde. Vu que ça n'a pas spawn de slime, j'ai besoin de faire un gâteau pour la dimension Twilight. La dimension Hunter pour aller chercher des slimes. Je ne peux pas chercher droit pour le ramasser. Et si j'ai les deux mains libres? Imaginons, on jette. Je sais rien, c'est tant d'hésite. Je ramène mon poulet à la maison. C'est parti, pouletto!
Kidnapping de poulet! Rien à foutre! Je ramène ce poulet à la maison! Il y a un petit trou là-bas. Ah, ça fait spawn des mobs! On a une usine à mobs! Incroyable! Et voilà, abduction de poulet, c'est fait! Abducted en anglais, ça veut dire kidnapper. Et voilà, mec, regarde, il est tout content! Il me dit, ouais, super, nouvelle maison, ouais, trop bien! Shift pas avec le poulet en main. Quoi? Pourquoi? Ça fait rien de shift avec le poulet en main. Ah, c'est pas comme dans Zelda, ça me met pas le snowfall. Je tombe pas moins vite quand j'ai un poulet. C'est... Regarde avec double F5. Non. 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 On n'enculera pas le poulet. C'est bon. Peut-être lui faire une cage, non? C'est toi que je mette en cage, Otter. T'es le seul qui m'aide dans une cage ici. Jamais il se suiciderait, le poulet. Attendez, j'ai un espoir. Il est peut-être retourné dans Twilight. Il est peut-être pas tombé, il est peut-être juste retourné dans Twilight. Il semblerait que... Il semblerait que le poulet soit tombé, mesdames et messieurs. Ah, j'ai pas vu. T'inquiète pas, nous non plus, on n'a pas vu. On sait juste qu'il est mort. Enfin, il est tombé, quoi. D'ailleurs, vous voulez savoir un truc rigolo avec le fait qu'on soit dans la Twilight ? Auquel vous avez peut-être pas pensé encore là. Mais vous savez qu'il y a un truc très rigolo avec le fait qu'on soit dans la Twilight. À part le Ginza dont on se bat les couilles, ça sert à quoi? On sent car le cul, très bien. Vous savez ce qu'il y a une scène avec Twilight? Je vais faire une cage, je vais en reprendre un. Ouais, mais il n'y en a pas d'autres. C'est mignon. Par contre, ce qu'il y a, c'est ça. Je vais vous empêcher de passer par en dessous. Et du coup, nous avons un peu de dirt. Nous devrions être capables d'agrandir notre base. Par contre, Twilight, on remarquera qu'ils sont très forts pour essayer de m'empêcher de tricher. Mais que ça marche pas. Mais ils font de leur mieux. Aïe. Vous pensez qu'on peut la casser assez vite pour pas prendre... Pour pas mourir? Non. Non. Peut-être avec un Vajra. Ou un truc qui pète instant. Mais attendez, mais ils sont complètement cons. Non mais attendez, ils sont complètement cons. Non mais le mec qui a fait ça, il est complètement con. Il a mis de la Maze Stone que en dessous des murs. Mais il est complètement con. Parce que du coup, tu peux quand même passer en dessous des murs avec les allées. Il est complètement con. Tu fais un tunnel tout droit, tout pile à la hauteur, et tu vois ce que t'as au-dessus de toi. Puis tu traverses le dos de la labyrinthe, et puis c'est réglé. Complètement con. Complètement con, ce modeur. Mais il est complètement con.
On a pas de poulet car spawn, hein. C'est honteux. Avec les chiens peut-être. Il n'y a pas de poulet tôt car spawn. J'ai pas de petit pot de poulet. C'est dommage, j'ai pas de petit pot. Pas de petit pot de poulet. J'en avais un mais il s'est suicidé. Si tu fais un grand terrain sur ton île, tu vas pas faire spawn des modes passifs, si, et des agressifs aussi. Ça suffit. Et des méchants aussi, presque sûr. Ok, bon, on va rentrer à la maison et on va faire spawn des mobs du coup. Par contre, on a toujours pas de builder wand, et ça commence à se voir. Aïe! Ne pas sauter dans le portail. Sautez pas chez vous, faites pas ça. Dans la vraie vie, évitez de changer de dimension et d'atterrir sur une plateforme volante au milieu du vide, d'accord? C'est dangereux. Suivez mes conseils et tout ira bien. Ah, il n'y a vraiment pas de builder wand. Wand of the lazy builder. D'accord. Ok. Non. Giga flemme. Il y a un nom d'entité ami. Donc si tu veux spawn les poulets, faut tuer les papoulets. Bah super ça. T'es en train de dire que les poulets ont pas le droit de vivre? C'est ça que t'es en train de dire? En train de dire qu'ils n'ont pas le droit de vivre, là je reconnais. Fallait pas plus. Vous m'avez compris. C'est parti pour faire la base. Vous vous rendez compte que pour l'instant on n'est pas encore mort? Et on a déjà à peu près 6-7 heures sur le mode pack? Enfin non, plutôt ouais, plutôt 6 que ça. On n'est pas mort hein. C'est pas juste un trou de ma mémoire, on est vraiment pas mort je crois. Ah par contre, il n'y a pas inventory tweak, mais... Ça veut dire... Le mec a codé ce mode pack. Bon. Je l'aime bien. Il est quand même sacrément sous ses limites. Faut pas mettre inventory tweak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ok. Mais BX Akit, c'est pas si grand ce que tu fais là. C'est parce que des carrés de 13 par 13, il va y en avoir 8 os. Alors comment est-ce qu'on éclaire un carré de 13 par 13? Quelle est la règle de d'éclairage d'un 13 par 13? Est-ce que ça va suffire? Attendez, un 13 par 13 c'est le carré parfait de... J'étais sûr que ça mettrait de l'eau. J'étais sûr que ça mettrait de l'eau et c'est pour ça que j'ai dit que je voulais pas le casser. Enfin je voulais pas le casser à la base. Alors, est-ce que le 13 par 13 c'est le truc parfait d'éclairage? Ce serait insane. Et il me semblerait que oui. Il semblerait que 13 par 13 ce soit un carré parfait d'éclairage. Ah, il fait ça. Si le 13 par 13 c'est un petit carré parfait, c'est tout bon. On va vérifier, c'est bien 13 par 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12, 13, c'est un 13 par 13 et il est donc parfait en éclairage.
Insane? C'est parti pour en construire d'autres. 15 par 15, non? Mais du coup, 13 par 13, ça passe. Bah, 13 par 13, c'est très bien. Pourquoi je ferais des 15 par 15? 13 par 13, c'est bien. Ça change. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et donc, le bloc que je construis là, c'est le bloc qui sera au centre, du coup. On va faire un 9 par 9, enfin un 3 par 3, de 13 par 13. On va pas tout construire maintenant, j'ai pas que ça à foutre, vous non plus, ça tombe bien. D'ailleurs, je sais pas demander à Tatan s'il était chaud pour du Monster Hunter plus tard aujourd'hui. D'ailleurs, je sais pas si ce soir on fait du Monster Hunter ou si c'est fait du Minecraft. J'ai pas choisi encore. On verra. Parfait. Et par contre, du coup, ici, il va falloir en mettre deux. Aux jointures, ce sera très moche. Mais c'est pas grave. Par contre, le mec qui a fait un modpack et qui s'est dit que pas mettre un moteur électrique c'était une bonne idée. J'ai juste envie de le claquer. Quoi. Je pourrais le rajouter à la main si j'ai pas la flemme. Hein. Alors déjà eu un problème avec le Veil Miner, pas vraiment, presque, mais pas vraiment. Et ben voilà, on a une petite plateforme, c'est pas mal. Voilà, et donc dès comme ça, bah, il faudra en reconstruire 7 autres, des plateformes. On est bien. Donc le gazon va se répandre tranquillement. Nous, pendant ce temps-là, ça tombe bien, on a notre truc à faire. On nous a foutu de nos vies. Il n'y a plus de place dans ce truc-là, ça me dégoûte. On va donc refaire un chest à bloc. Très bien. Alors, ça c'est bon, les torches on les a sur nous, on est bon. Très bien. Alors maintenant qu'on a ça, ah, on a produit plein de diamants là. Ah mais alors attendez, on a toujours pas de nickel. Il nous fallait du nickel. Yo, salut Osman. Max Y 68, minimum Y 5. Est-ce que vous pensez que ça c'est en rapport avec où est-ce que je le mine? Est-ce que vous pensez que si je retourne dans Twilight, je peux en miner? Parce que là, avoir du nickel, ça nous arrangerait bien. Sans avoir besoin de faire l'arbre. Surtout ça, en fait. Ou alors faire l'arbre après. Mais avoir déjà du nickel pour faire l'arbre, ça nous arrangerait bien. Mais surtout l'autre slime de mort. Ah oui, non, mais c'est le slime de mort, le vrai problème. Le vrai problème, c'est le slime de ces murs. Bon, d'accord. Comment on fait une vache? Comment je crafte une vache? Une graine, du cuir et... du... Ah, mais j'ai pas de... Oh. D'ailleurs, pour l'arrosoir, il y a sûrement un arrosoir pour pousser l'air plus vite. Quoique, sur ce mode pack là, je sais pas. Bah, du coup, faut qu'on retourne dans.
faut retourner dans Twilight en vrai. Et bonjour Zé Semaine, je sais plus si je t'ai dit bonjour. Salut. Bah du coup faire toi. Merci beaucoup pour le follow Ilana. Bienvenue. Oui mais je peux pas le mettre là parce que si je le mets là, je suis baisé. Pour mettre là les fleurs. Si déjà dit. Et bah rebonjour à toi. Et rebonjour à tout le monde. 85%. C'est long la canne à sucre. Damn ça. Et après elle va se reproduire normalement. C'est juste que c'est le premier bloc qui est chiant. Vraiment. Si je devais deviner, je me dis que c'est le... Sûrement comme ça que ça se passe. Ah oui, il y a de la merde dans le coffre à sub. Je me demande s'il y a un sens. Je me demande s'il y a un sens derrière tout ça. Je rigole, je vous aime. Je vous aime, c'est juste Twitch que j'aime pas ou Twitch qui m'aime pas. Je sais pas dans quel sens ça se produit, mais. Ouais. Un jour, faudrait que Twitch m'active mes emotes. Ah, j'arrive pas au même endroit. Nice. Nice. Bon alors du coup, est-ce qu'on peut choper du nickel? On en touche combien là? Y32. Attendez, on va chercher sur Google. Le nickel, c'est quelle couche? Entre 0 et 24, d'après le wiki. On est 24, donc si on va là, on est à 20. Si on va là... Je suis juste meilleur. En fait... Je suis juste meilleur. Ça s'arrête là en fait. C'est juste que. Bon. Je fais de mon mieux quoi, mais je suis juste meilleur. Salut Flub, comment tu vas, Flub? Voilà. Non mais. Ça s'arrête là en fait. Y a pas à parler plus longtemps. Y a pas. Ice. Y a pas. Hein, c'est bon, ça s'arrête là. Bien joué à vous. Vous avez fait de votre mieux, mais. On était meilleur. Très bien. Donc je peux rentrer en fait. Et du coup je peux rentrer. Hop. Ah, un arbre. Est-ce que un poulet aurait spawn? Non. Bah tranquillement, merci. Merde, la torche était pas... Je voulais pas spécialement jeter la torche, là, j'avais rien contre la torche, en réalité, même. Donc, je voulais regarder si on pouvait faire quelque chose avec le basalte, mais apparemment, on s'en carre le cul, donc ça dégage. Oui. Aïe, on avait dit pas sauter. Ok, donc on a du nickel. Le nickel, on le fait fondre. Et après, on asperge quoi? Une graine, enfin un arbre d'iron. Et ça nous fait un arbre à nickel. Salut Draxter, comment tu vas? Bon, ça, c'est ce qui nous rejoint. J'espère que vous allez bien. Merci d'être si nombreux et nombreux sur le stream. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir. J'espère que vous passez un agréable dimanche après-midi. Enfin, je ne sais pas encore ce qu'on fait ce soir. Demain matin, c'est quasiment sûr. En fait, non, je sais rien. En fait, j'en sais rien. Quasiment toute la semaine, ce sera du Monster Hunter. Du Minecraft le soir. Ça, c'est adjugé vendu, c'est une info sûre. Toute la semaine sera du Minecraft, quasiment tous les soirs. Les matinales, je sais pas encore.
En plus, demain, j'ai posé mon lundi. Donc, vu que j'ai posé mon lundi, je vais en profiter, je vais faire du ménage. Je vais full clean ma cuisine et tout là. Et bah, yes, Daxter, bien joué. Je raine tout à l'heure, ça quel plaisir. Quand il faut du stuff parce que le stuff que j'ai est dégueulasse. Mais du coup, ouais, demain, il y aura la matinale quand même, il n'y a pas de problème là-dessus le matin. Et puis après la matinale, je ferai du ménage. Et puis après, je ne sais pas. Mais du coup, je sais pas ce soir ce qu'on fait. C'est pas acté encore. Ce soir, je ne sais pas. Vous aurez peut-être du Monster Hunter. Enfin, ça va dépendre des copains, s'il y a des copains qui sont là. Je sais pas si Daito, t'es là ce soir. Et tu twerk, c'est ta façon. Pas non plus, pas sûr. Ok, donc la résine techniquement c'est déjà bon sur le nickel. On va en refaire juste un de plus, mais techniquement on avait tout ce qu'il nous fallait. Yes. On fait ça pour quoi? Pour le suivant. Évidemment. Ok. Donc le nickel c'est réglé. Nickel, on est bon. Maintenant, il nous fallait quoi? Possible member. Mais pourquoi il me fallait du slime? Et pour le quartz. Ah oui, putain. Ah mais attendez, mais il me faut un quartz tout court en fait. Salut Yume, tranquillement et toi? En fait, il me faut du quartz tout court. L'équation s'arrête vachement plus tôt que ça en fait. L'équation s'arrête vachement plus tôt que prévu en fait. L'équation elle est beaucoup plus rapide que. Elle s'arrête vachement plus tôt que prévu l'équation. Mais y a pas les barrels en stone? Attendez, y a vraiment pas de barrel. Ah si, quand même. Hein? Redstone barrel. Je m'en bats les couilles. Ouais, c'est vraiment de la porcelaine de mort. Mais genre vraiment en 2020? Pour faire de la lave, c'est vraiment comme ça? En 2K19? 2K20? Tu peux faire des nether saplings pour le quartz. Ouais, ou aller dans le nether. En réalité. Ça sent le cul. Est-ce que vous sentez ça là? Ah, oh, ça sent l'incendie. Ah, je reconnais dans Minecraft ça sent. Pas IRL, hein. Oh, please, pas IRL. Mais in-game, ça sent l'incendie là. Qui a brûlé là, non? Je me permets de poser la question, mais il me manque un chaudron. Je demande comme ça, mais il me manque un chaudron. Chiffri pour mettre de l'eau au-dessus, ça fera de la lave. Ta mère. C'est non. On sait pas à quoi il sert, mais il servira peut-être un jour.
Mais sinon, on fait un chaudron, quoi. Sinon, on arrête d'être des enculés et on fait un chaudron, quoi. Sinon, la vraie strat, est-ce que c'est pas j'arrête d'être un enculé et on fait un chaudron, quoi. C'est pas... Est-ce que la vraie strat, elle est pas là, au final. Est-ce que vous avez vu comme je suis malin? Je suis malin mais j'arrive pas à prendre une source de feu. Si nombreux et nombreux sur le stream, ça fait plaisir. On est en train de s'accouper avec un chaudron contre la lame. Vous inquiétez pas. C'est Will Hart. Du coup, maintenant, on va faire notre portail du Nether temporaire. Bien évidemment temporaire. Je vais refaire une tour en tant que base? Non. Parce que faire une tour en skyblock sert pas à grand chose. Alors sachez que si jamais c'est du skyblock, Lighto nous doit un sub. C'est parti. Allô? Ah, c'est un autre problème. Le truc, le portail est tellement skyblock que tu peux pas y aller. Amen. Ah ouais. Ah mais du coup, ça veut dire qu'attendez. Ça veut dire que... Mais j'étais pas du tout censé aller dans le... J'étais pas du tout censé aller dans la Twilight Forest sans utiliser le gâteau, en fait. Ah d'accord, lui a rien à voir. Je me demandais quelle dimension c'était, mais c'est juste un gâteau. You fils de pute. Attendez, un market. Comment on craft un market? Du bois, de la laine. Ah non, mais attendez, il y a un truc là. Pute, pute. Pardon, il y a des gens qui klaxonnent dans la rue. Du bois. De la laine. Et des planches. Et on fait une malqueton. Quoi? Oh non, tu vas vraiment me casser les couilles là? Genre faut qu'elle soit rouge ta putain de laine.
Est-ce que c'est celui où il tombe du ciel? Attendez, est-ce qu'on va illuminer notre journée? Allons-nous illuminer notre journée? This Little Piggy. Pourquoi la chimène s'appelle This Little Piggy? C'est pas clair. Ah putain, mais ça me bute! Ah, c'est vraiment de la merde, mais ça me bute! Ah, à chaque fois, constamment. Ah, ça me déglingue ce truc, c'est trop bien. Ah, ouais, on peut acheter plein de trucs. Mais il y a plein de trucs qui s'échangent comme plein de trucs relous. Ah, ça dégoûte. Allez, ça plings! Ok. Donc imaginons je veux du poulet, il faut du corn. Si je veux de la vache, il me faut de la corne. Ok, bon, il me faut de la corne. Donc il me faut du blé. Faut que je lui échange du blax. J'ai plein de graines, mais pas celle qu'il me faut, évidemment. Ça aurait été trop facile. Mais attendez, du coup... Elle est là, la fameuse, l'unique, la Wandiams. Elle est très efficace cette macro. Hein. Cette macro est très efficace. Qu'importe le nombre de fois où on la voit, très efficace cette macro. Hein. Très efficace. Du coup, on a plus de bonne mille. I need more bonne mille. I have BZ my stock. C'est pas beaucoup ça. C'est pas beaucoup, mais ça suffira peut-être. Ça va pas suffire. Or si 8. Ah non, c'est 16. Du coup, faut qu'on fasse du bois. Voilà. Et là, on twerk. Est-ce que vous voulez que j'ouvre un compte OnlyFans ou je twerk ou pas? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on ouvre un OnlyFans ou on twerk? Ça vous tente, le chat? J'ouvre un OnlyFans où je fais que du twerking? On l'appellera Twerk Kid. Je pense qu'il y a de l'avenir. Twerk Kid, c'est pas mal, Twerk Kid. Comment ça, non merci? Ce
sera un compte OnlyFans, vous pouvez payer pour me voir twerker devant des trucs dans Minecraft, évidemment, je parlais bien évidemment dans Minecraft. Tous les jours, une vidéo improbable de moi qui twerk dans un endroit particulier sur Minecraft. Au-dessus d'un lac de lave, en face d'un ghast. Peut-être pas tous les jours, une fois par semaine. Une fois par semaine du twerking dans des endroits improbables sur Minecraft. Je rigolais, mais je suis sûr qu'il y a au moins 3 personnes qui sabraient. Force aux impôts, ça te ferait passer un rang. En pas sûr que ça fasse passer un rang le twerking. Je pense que ça, on est plutôt safe. Je pense qu'il n'y aurait pas grand monde. À part Laito qui va s'abonner 26 fois sur 27 comptes différents. Juste pour avoir plus de twerking, mais. Faut pas le dire. Laito, on sait qu'il a terriblement envie de me voir twerker sur des trucs sur Minecraft. Il ose juste pas le dire. Ouais. Ok. Bah super, tu l'as dit devant tout le monde. Bah ouais, je m'excuse. On peut faire poulet. On peut faire poulet. On peut faire pousser une vache. On va faire pousser un poulet aussi. Ah mais attendez. Non. Je t'en veux, il n'y a pas les slimes. Je peux avoir un pingouin? Je peux avoir un pingouin? Attendez, on vient de m'annoncer dans l'oreillette que je peux peut-être avoir un pingouin. On vient de m'annoncer dans l'oreillette que je pouvais peut-être avoir un pingouin. Si moi on me promet un pingouin, il y a des chances que ce soit oui. Hein. Il y a de grandes chances que ce soit oui. Hein. Yes life pour le pingouin. Hein. Alors vas-y, par contre, pousse ta ridicule. Merci. Yes. Ok. Est-ce que j'ai assez pour refaire de la bonne mine? Pourquoi je cassais ça? Ah oui, pour faire de la bonne mine, pour faire pousser la vache. Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux faire pousser la vache plus vite? Pardon. Excusez-moi. Quoi? Mais c'est incroyable. Mais c'est beaucoup trop mignon. Regardez-la. Regardez-la. Elle est trop chou. Elle est trop mignonne. Bon, j'ai 9 boules de sang. Ça donne pas de bloc de slime. Bah comment ça? Attends. On t'a menti. Non mais on t'a forcément menti. Le craft est là. Ils l'ont peut-être désactivé mais pas dans la nuit. Regarde Discord. Aïe aïe. Hein? Oh! Il existe en rouge. Ah oui, là! Tu peux pas le refaire passer en vert? Attends. Et non. Tu ne peux pas le refaire passer. Ah, c'est dommage! C'est la trahison. Bah très bien. En tout cas, on a une vache trop mignonne. Ah mais putain. Elle spawn en bébé. Ah, ça dégoûte. Ah, ça. Ah, merde.
J'ai tabassé. Quoi, il y en a eu un deuxième? Ah, parce qu'il m'en a redonné une. Vous suicidez pas, les petits potes. Vous avez de la place. Je vous en prie, vous suicidez pas. Please. Please, vous suicidez pas. Je vais vous faire grandir avec ça. Oui. Plus ça avance, plus ça consomme. Dans 2 minutes 50. Dans 1 minute 13. Très bien, les petits potes. Et du coup, faut aller dans la hunting, c'est confirmed. C'est confirmed grâce à notre ami Laito qui a fait l'expérimentation pour nous. RIP Laito, hein. Petite pensée pour Laito, hein, qui s'est bien fait baiser. Bien joué à lui. Il s'est bien fait baiser. Pour avoir cette info. La ressource propre du terme. Telle histoire. J'aurais pas aimé être à ta place. Ah bon. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire, hein? Vous savez que moi je suis vraiment trop fort parce que là, si j'avais 3 diamants en plus, vous voyez, ça s'appelle être un expert de l'UHC. Regardez, là je fais pantalon, bottes et casque sans avoir à remettre les diamants comme il faut. Je suis juste un pro en fait. Tu peux m'apprendre STP? Ah. Ça c'est... Ça pour le faire, tu vois, il faut participer à KTP, FTP et puis Top Gun. Et gagner une saison de Top Gun par procuration. Aussi simple que ça. Je suis en train de rêver, mais c'est se faire énormément en diamant. C'est vrai que j'ai fait un diamant. C'est plutôt inhabituel. Mais attends, mais je me suis bien fait baiser! C'est pas ça que je voulais acheter, moi, à la base. Attendez, parce que j'ai acheté une graine de poulet, mais moi, je voulais acheter un œuf. En fait, moi, je voulais acheter un œuf. Je me suis encore bien fait baiser, là. C'est que j'étais tranquille et... Et d'un coup, je suis parti en live et je me suis bien fini. C'est bon, j'ai mon œuf. Ah, mais du coup, maintenant, il faut que la vache, elle fasse... La vache, elle grandisse pour que je puisse faire des paquettes. Paquettes de lait. Alors, on pourrait croire que l'iron, c'est la merde. On pourrait se dire, la Veisaki, l'iron, t'es un peu dans la merde. Mais ce serait mal me connaître. D'ailleurs, si un jour je perds ma seule seed, c'est quoi la condition? Un golden god. Étant changé. Je ne serais jamais fait une armure. Qui ne vole pas avant, c'est vrai. Vous pouvez arrêter de lui lécher les couilles? Arrête de lui lécher les couilles! Et Inch'Allah, arrête de te retourner. Mais tu fais quoi? Salut, Tatane! Comment tu vas? Tatane! C'est comme ça qu'on fait un gâteau.
Je vais bien, merci. Tatan. Tatan, est-ce que t'es là ce soir? Oui, très bien. Je serai peut-être du Monster Hunter ce soir du coup. Et il me faut une plume. Mais en fait, il m'en faut plein des plumes. On peut les acheter les plumes? Can I buy the plumax to the shopax? I can buy the plumax au shopax. Do I need this? Take that. Put this. Take. Merde. Take this. Can I do this? To get more Sidas. Can I do this? Nique ta mère, on me dit dans l'oreillette. Can I press it? Non, on me dit nique ta mère dans l'oreillette. Et pourtant, il n'y a pas de farine, hein, donc on. Enfin, si, mais pas avec. Pas avec CH. Donc on me dit bien nique ta grosse daronne. Big Sakid. Très bien, 1, 2, 3 et 4. Désolé, maman, évidemment. Lequel BX de MH, ça fait un moment que je suis pas. J'ai pas maté un test stream. Là on est sur GU sur Switch. Mais j'en ai plein des flèches. Fils de pute. Pardon. Pardon maman. Excuse-moi maman. Je suis juste un con. Merci beaucoup Bizex pour le follow, bienvenue. 4 plumes, 4 épées en cobble. Et un gâteau. T'inquiète, flèche. C'est bizarre. 8. Très bien. Pas de poubelle dans l'inventaire, ça me trigger. Avec. Ok. 1, 2, 3, 4. Le problème, il faut juste un gâteau. Et donc là, j'attends une canne à sucre. À moins que... Non. De l'aloe vera, si jamais vraiment... Si jamais vraiment on aime se faire chier. Ça... En soi, on est chill, là, on est arrivé sur le... On est arrivé tranquillement sur le rangé là. Pardon, faut passer des diamants pour être orangé. Ça tranquille. Vous savez que j'ai très envie de récupérer cette canne à sucre pour faire un de sucre. Mais je me retiens. Mais je suis à deux doigts de le faire. Après moi j'avais déjà joué à GU, donc c'est pas un problème. Mais ça fait bien une semaine et demie, deux semaines qu'on est dessus. Du coup, le programme pour les jours à venir, le chat, je pense que ça va être ainsi suivant. Tous les soirs de la semaine prochaine, du Minecraft, peut-être à l'exception de un soir où il y aura du Monster Hunter. Ce soir, on fait du Monster Hunter. Et les matins, je sais pas encore. Allez. MLG. J'étais meilleur. J'ai été meilleur. Cette chance. T'es intuable en fait. Tu sais, ceux qui pensent que c'est de la chance, c'est que t'es intuable en chute comme ça. C'est aussi simple que ça. Ça s'arrête là, y'a pas de. Pas de chat. T'es un truc. Ok, gâteau pour le Hunting Dimension. Le truc c'est que le Hunting Dimension c'est une purge. On le sait, on la connaît. J'ai déjà envie de. Oh, va niquer ta mère. Non mais à un moment donné, va niquer ta mère. Non mais bro. Non mais à un moment donné, dans la vie.
va niquer ta mère. Et genre, prends-la et fais ce que tu veux avec, mais laisse-moi tranquille. Oh. Mais du coup... Mais tu suces ma bite? Quoi? Mais du coup, dans les hunting grounds de merde là, je peux faire spawn des mobs ou je suis baisé? Non, parce que il me faut du slime en fait. Qu'importe comment tu regardes la situation, je suis venu pour du slime en fait. Et donc, le but de cette zone de merde, c'était de me provide en slime en fait. Merde. Le but ultime de cette zone là, c'était juste de générer un hunting ground, hein. C'était pour aller tuer des mobs en fait, le but. Le but c'était nique ta mère et file-moi de quoi. De quoi faire mon putain de slime en fait. Parce que du coup c'est quoi la strat pour faire du slime s'il n'y a pas ça? Parce que du coup c'est pas clair. Je veux dire, il y a une dimension de hunting. Si tu peux pas hunter dans la dimension de hunting, ça commence à se voir. C'est un peu comme si tu me dis bonjour, tu joues à Farming Simulator, mais en fait t'as pas de tracteur. Ou salut, tu joues à Cooking Simulator, mais en fait t'es serveur. Le jeu s'appelle Cooking Simulator, mais t'es le serveur en fait. Chiant. Quand même con. Bah super. En plus je pose ça comme de la merde. Pourquoi je sens que je vais m'éloigner, que ça se prendra pas? Est-ce que vous le sentez comme moi? Bonjour, tu n'as pas du Coaluet Blood ou des Rice Balls? Non, malheureusement. Malheureusement, sinon ça aurait été évidemment notre choix de prédilection. Il n'est malheureusement pas possible de l'écran. On aurait aimé, hein. Crois-moi. Crois-moi, ça m'aurait bien saucé si ça avait été possible. Comme ça, au moins, on tombera pas de derrière si jamais on se fait pourchasser et qu'on se fait acculer. Et pour l'instant, on se fait pas acculer, on se fait enculer. Allô? Les mobs. Ah d'ailleurs, Tatenelaito, croyez-moi, le petit set astral, c'est délicieux. C'est d'un délice. Et d'ailleurs, là, vu que la rentrée, elle a commencé demain matin, si je fais une matinale, il n'y a personne. Est-ce que ça va spawn à votre avis ou est-ce que je suis bien niqué? Mob spawn. Mais est-ce que c'est des mobs qui spawn ou est-ce que c'est des mobs qui spawn influencés par la hunting barn? Ou est-ce que là le fait que ce soit hunting ground ne change rien? Parce que du coup il me fait du slime. C'est des excuses, juste pour toi. De toute façon, moi je suis mon meilleur viewer. Hein.
Je rigole à toutes mes blagues, je m'amuse beaucoup. Non, bon, y a aucun problème. Moi, rire. Ah non, mais c'est pas ça. Me dis pas que c'est ça. Et putain, Laito, t'aurais pas pu avoir 6 de QI et me dire. Ah tiens, mais ils arrivent, attention. Putain, puis cette plaque qui vient des gâteaux là, c'est pas clair. Putain, Laito. Je suis en train de les faire, t'as vraiment cette caméra. C'était aussi simple que ça. From the beginning, it was that simple. Mais il me fallait du lait quand même. Donc ce qu'on a fait avec le marché et tout n'est pas inutile. Parce qu'on n'a pas eu de vache, on n'a pas eu de lait, on n'a pas eu de lait, on n'a pas pu faire ça. Mais le hunting ground, c'était pas nécessaire. En plus, maintenant qu'on sait qu'il sert à que dalle, nique ta grosse daronne. Je sais même pas pourquoi ils se sont fait chier à faire un gâteau du coup. Ils se font chier à faire un gâteau pour un truc qui marche pas. Ça me donne juste envie de vomir en fait. Ça dégoûte de ouf. Par contre, j'en fais quoi de mes buckets de lait là? Je suis très content, mais je m'en fous. On va refaire des saplings de slime. On en aura en rap. Mais putain, mais je les ai rangés, je suis vraiment le roi des cons. On dirait Light qui essaye de battre un Astalos tout seul. Attendez, il pousse sur quoi? Attendez. Attendez, attendez, non, parce que attendez, il pousse sur quoi? Et voilà, c'était sûr. C'était sûr en fait. C'était sûr que j'allais me faire baiser. C'est ce qu'ils n'ont jamais fait, bien. Ok, du cactus. Du cactus dans du lait. Tout va bien. Tout va bien. C'est maîtrisé. Bonsoir Stan. Et bonsoir tout le monde, c'est Guillaume Jouran, j'espère que vous allez bien. Hop, cactus. I've been slimed, nous dit le... La chimie. Alors, il nous refaut de la clé. On a plus de clé, il va falloir faire un coup d'arbre à clé. Hein. En vrai, je vais faire un arbre, enfin, je vais poser un arbre à clé. Parce que je commence à en avoir ras le cul de devoir le faire à la main à chaque fois. Donc, on va ensemble mettre un arbre à clé. Il faut juste que je refasse de la clé vite fait. Et vous, est-ce que vous aimez twerker? Êtes-vous des petits twerkers? Il m'en faut plus que ça. Faut que je remette un coup de tarbac. Et du coup, on va mettre slime ball et clé dans le même. Et puis ça... Ce sera suffisant. Merci beaucoup de rejoindre le stream. Vous avez suivi dans le bienvenue. Twitter, Discord pour les réseaux sociaux, Snapchat aussi de temps en temps. Et puis
le planning en cliquant sur le string. Enfin, sur le pseudo, pardon. Il y a un bouton programme maintenant. C'est une série. Bon, par contre, ça y est, maintenant les animaux ils sont là, ils vont commencer à me casser des couilles, à venir me souffler dans les oreilles constamment là. Maintenant qu'ils sont là, ils ont décidé de qu'ils aient nous casser les couilles. Alors, c'est fou. On fait du coup de nouveau la clé. Transforme la clé en clé. Donc, on va mettre ça dans les ranges, sauf une. Ok. Ça va me refaire du fer. On a de l'iron dans ce pays. On a de l'iron dans ce pays. Non. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, l'iron c'est un faux problème. Putain, ça par contre c'est un vrai problème. C'est chiant. Oh là là, c'est trop chiant. C'est pour ça qu'il faut faire des demi-clics, enfin des clics droits. Et tu prends des demi-stacks. Parce que sinon ça y est, c'est la sauce. Et tu te retrouves avec tout ce que tu veux pas dans ton inventaire. C'est la merde. Voilà, 23 d'iron. Problème résolu. Le faux problème est devenu un vrai faux problème. Non, c'est encore. On range ça, on range ça. Voilà la brique. Voilà la deuxième brique. On fait un deuxième comme ça. Il va nous falloir deux coffres du coup. Un, deux. Non, deux seulement. Ok. Faut juste attendre l'iron maintenant. Par contre, c'est chiant, mais il faut attendre l'iron. Ça va vite. La bouffe, c'est la sauce. Il va falloir qu'on fasse repousser un arbre à la Nile. Ça va quand même me spawn dessus. Je l'avais. Allez, par contre, dès qu'il y en a avec des trucs dedans, ça casse les boules. Au moins ça fait de la bouffe. Et voilà, ça a plein de bouffe. Et ça c'est bon. Je sais pas ce que c'est ce truc là, mais on a. Ça arrivera peut-être un jour. L'iron est arrivé, on peut déjà faire un hopper et ça tombe bien puisque pour l'instant on a besoin que d'un. Le deuxième c'est pour later. Hop, hop, hopping. Nous reste-t-il du mulch? Non, il ne nous reste pas de mulch. Donc on va crafter, vas-y, on va générer le cul. On en craft un paquet pour que ce soit fait. Hop, on récupère ça. Ça en aura du mal en rab. Et ce sera bon. Maintenant, chest ici, chest 2 là. Ici, un mulch. Ah non, on peut pas mettre de mulch pour le slime. Je peux pas mettre de mulch pour le slime, ce qui est dommage. Et du coup, ça va être très long. Oh putain, oui, ça va être long. Ok, donc le slime, accrochez-vous, quoi. Ah, par contre, c'est du blue slime que j'ai fait. Ah, mais tu ne peux pas faire de... Ah non, mais ça va produire du verre. Ok, ça va produire du verre en fait. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Saved. Saved. Produire du verre. Le tronc est forcément vert. Okay. Tout va bien. Saved. On a failli avoir un accident, mais tout va bien. L'iron. Est-ce qu'on a nos 5 lavos d'iron? Oui, 5 lavos d'iron. Oh la main. Hop. Parfait. Maintenant, ça dégage la dent. On fusionne notre hopper et notre bonsai pot. On met les deux ensemble ici. On met le mulch. Et on met le clay tree. Et du coup,
75% de chance, j'en ai eu 0. Classique. Classique, classique, classique. Le fameux. Le fameux. D'ailleurs, hier, Tatan, pour la complétion de mon armure astrale, j'ai juste fait 2 Glavenus dans un autre Glavenus. Et j'ai eu 9% et 9%. En fin de quête, j'en ai eu 1 puis 1. Donc, quel plaisir. Bon, du coup, on va avoir plein de merde dans l'inventaire là, temporairement. On va mettre ça là, tiens. Brancher la merde là. Brachydios, pardon, j'ai dit Glavenus, Brachydios. Je sais pas pourquoi je confonds toujours Brachy et Glavé, mais. Ça là! Faut en virer ça quand même. Bon, ça se voit, hein. Notre petit fail. Petit fail du portail du Nether là. Vous n'avez rien vu! Ah bah. Bah super! Au revoir! Au revoir, petit bloc de système. On t'aimait fort. Ouais, donc, on a des animaux. C'est... Ah, voilà, on a des slime. Insane. Pourquoi on avait besoin de ça? Pour la quartz. Eh, mais du coup. Il me faut une nether sapling pour avoir notre premier quartz. Parce qu'après, il nous faut une quartz sapling, mais la quartz sapling, c'est la sauce. Ah oui, non, mais là, c'est la verte. Là, c'est la verte. Avec du nickel, de tin et du diamant. Et après, là, il faut le magma. Et pour le magma... Ah, j'ai mal au crâne. Faut du... des slime ball orange. Je vais vous enculer. J'ai juste envie de vous détruire, en fait. Allô? Du quoi? Attends. Du quoi? Il faut mettre ça dans quoi? Allô? Ah ouais? Hey, quand même. Chouffle. Ah oui. Ah oui, la quartz sapling. Accrochez-vous bien les balls, hein. Et attendez, c'est du quartz qu'il me fallait ou la quartz sapling qu'il me fallait pour le l'osmium? Parce que si c'est juste du quartz et que je peux produire du quartz avec la nether, je m'en branle. Non mais attendez, parce que ça se trouve, c'est pas de la... En soi... Ah bah si, c'est de la quartz résine. Donc faut forcément l'arbre. We are in the sauce. We are in the giga sauce. Quoi? Non mais c'est toujours plus. We are in the off en 1A. 1 quoi? Oh! Le reste du quartz. Ah, mais attends, du coup, comment on fait? Attends, c'est quoi le. Hein? Et c'est quoi la strat du coup là? Mais attends, comment je fais du sulfure si j'ai pas encore mécanisme et j'ai pas de poney? Ah, on peut le faire à la main. Ok. Donc il faut grinder de la netherrack pour la... Ok, donc ça va. Il faut de la blaze powder. Mais la blaze powder, on peut pas la faire pousser, c'est hors de question, c'est impossible. Allô? Attendez, on va aller sur la map de test. Voir si le gâteau du Nether nous baise ou pas.
C'est important, je sens que... Je sens que ça va pas me plaire. I am feeling like it is not going to please me. I have the feeling it's going to be shit. Ah, écoutez bien la règle écrite en haut. Règle numéro 1 des Skyblock, ne pas vein miner accidentellement votre sol. Très bon conseil de la part de, du tips. Nethercake. Je te jure, s'il est en Skyblock. En créa, pourquoi je voulais pas? D'accord, c'était bizarre. Quoi? Mais elle est trop bien la génération du Nether dans ce mode pack. What the fuck? What? Elle est insane. Ah, il y a, oui, bah, il y a la fameuse glowstone qui monte. Par contre, le paquet de mobs qui traîne, vous comme moi n'avez pas envie. Attends, par contre, elle est insane la génération. Elle est trop jolie. Si seulement la lave avait pas une texture dégueulasse, on n'aurait pas ce genre de truc immonde. Mais c'est stylé en vrai. C'est stylé de ouf. Et ça vient de me donner une idée de base. Le chat, si on fait une prochaine saison de FTP ou autre, on fera une base avec un énorme mur de lave devant la porte. Et on pourra passer que si on a Fire Resistance. Ce sera très drôle. En plus, c'est une sécurité en triple. Ouais, donc on peut venir chercher le blaze quoi. Fire résistance ou une perle, non? Une perle? Un item pour réduire? Salut Naïm, comment tu vas? Je m'attendais pas à te voir en sneaky sur le chat. En tout cas, le Nether est stylé. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Okay. Qu'est-ce que tu es? Attends, c'est quoi mon buff? Glowing. Ah. J'imagine que les trucs gentils brillent. Underpearl. Ah oui, peut-être qu'une Underpearl te fait passer. Sûrement. Stacké par 64 toi. Je pense que j'ai pas aimé le résultat. Ah, ça c'était... Ça c'était à prévoir, ça. Ça, allô? Allô? Ah non, j'en ai avancé. Allô? Très bien. Allô, ah, j'ai touché le fond, ça y est. Très bien. Ok, bah, insane le Nether. Meilleur Nether de l'histoire de Minecraft, pour le coup. Enfin, sauf qu'apparemment, là, depuis qu'il a été rework, il est exceptionnel dans la nouvelle extension de Minecraft de base. Par contre, c'est moi ou... coefficient de mob multiplié par... je sais, il y en a combien, là? C'est beaucoup là, non? Dans la forteresse, c'est presque normal. Mais dès que t'es dehors de la forteresse... Mais qu'est-ce que t'es, toi? Ah. Bah, t'es plus là. Je sais pas ce que tu étais, mais tu l'es plus. Très bien. Notre map de test. Ah, évidemment, avec les bruits de bébé qui pleure. C'est Isaac, en fait. Est-ce que Minecraft, au final, c'est pas un peu Isaac? Mais on va pas relancer en fait. Oh, Naïn qui s'offre un café, incroyable. Ah, c'est Doloco qui offre un café à Naïn. Incroyable. Il faut qu'on fasse plus d'alertes, hein. Faut que je check tout ça, mais je dois vous avouer que vu que Twitch a pas encore validé les emotes, ça m'a un peu saoulé le cul.
Oh! Et du coup, j'attends que les emotes soient là et puis je refais toutes les alertes propres avec des variations pour quand il y a eu des subs offerts et tout. Merci beaucoup, Dolo, pour le cadeau, Anaïn. Ça fait plaisir. YouTube, une nouvelle fois, bien les yeux, je vous remercie de tous d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne et sur Twitter. Ah, et puis la 4. Du coup, voilà pour Minecraft pour aujourd'hui. Ce soir, on fera très sûrement du Monster Hunter. J'ai eu donc sur Twitch. Puisque le plaisir de se faire péter le fion. Ça faisait tâche, Nine sans sub. C'est vrai. Et puis, prochain Minecraft, très sûrement lundi soir. On va garder tous les soirs du Minecraft, je pense. Sauf celui-là. Sauf le week-end, je pense. Voilà. Je pense qu'on va faire ça. On va alterner comme ça, regardez. On se fait hein, toute la semaine du Minecraft le soir, sauf le week-end où c'est l'après-midi parce qu'il n'y a pas de matinale. Et le reste de la semaine, on fait autre chose le matin et du Monster Hunter le soir le week-end. Alternance parfaite, c'est incroyable. Peut-être un petit Monster Hunter par-ci par-là pendant la semaine, mais ça va être rare, je pense. Fuck, on peut pas refuser un abonnement. Non. Y a même des gens qui ne sont jamais venus sur le stream. Enfin, qui sont déjà forcément venus, mais qui ont eu des subs et qui sont pointés, qui étaient en mode. Ah merde, je suis sub! CDS par exemple s'est fait sub par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, on attend toujours que Twitch valide nos emotes, mais si vous les aviez pas vues, elles ressemblent à ça. Elles sont pas absolument incroyables? Si, elles sont absolument incroyables. Elles sont incroyables. La tortue mordeuse de bites, absolument insane. On l'a pas encore vu sur cette saison, j'ai pas encore triché sur Minecraft, donc pour l'instant pas de tortue mordeuse de bite. Et puis la waifu de FF14. Crac. Et les golems, les fameux. Les golems qui nous suivront jusqu'au bout. Très bien. Et bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là. On se retrouvera normalement si tout se passe bien ce soir à 21h pour du Monster Hunter GU. On va sûrement débloquer la rangée et aller se faire péter l'anus par... Enfin déjà, se faire péter l'anus par une Diablos, enfin un Diablos, pour débloquer la rangée. Et après aller se faire péter la rondelle en rangée. Ce qui promet, j'en suis persuadé, de grands moments de gameplay. JPP. Bien, et bien normalement à ce soir, je vous fais des bisous. Et je vous souhaite une agréable... après-midi, soirée, nuit, enfin ce que vous voulez quoi. Et puis voilà, c'est tout. Des bisous. Au revoir. Merci encore Doloco pour le sub à Ney. Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, je vous remercie tous et toutes d'être passés sur le stream. C'est toujours sans plaisir de vous accueillir. On se retrouve sur la chaîne sur Twitter. Puis la quête.